Bien, je crois qu'on va démarrer. Bonjour à tous. Dites-moi déjà sur le chat si vous me recevez, si vous m'entendez, si au niveau du son tout passe. Et puis dès qu'on a confirmation de tout ça, on démarre la séquence du jour. Je rappelle que je vous ai mis dans la description en bas un lien vers un support de cours hein, pour les gens qui veulent utiliser un support de cours. Donc comme Moodle fonctionne pas très bien, je vous l'ai mis sur un autre serveur. Donc récupérez-le si nécessaire. Ok, bah écoutez, si vous me recevez, alors on va démarrer par la séquence du jour. Donc le titre, c'est le principe d'inertie. Vous allez voir qu'on va parler durant cette séance de choses qu'on a déjà faites en travaux pratiques. On va les remettre sur le papier et on va les mettre aussi en application. Donc vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de choses vraiment nouvelles dans dans ce chapitre, hein, juste des rappels de choses qui ont été faites en travaux pratiques et puis quelques explications sur le sujet. Alors, le principe d'inertie. Donc, on va opérer en fait en trois étapes. On va dans un premier temps analyser quelques situations pour voir ce que c'est que des forces qui se compensent, parce que le principe d'inertie utilise cette notion de force qui se compense. Ensuite, on verra l'énoncé du principe d'inertie et de sa contrapposée, énoncé que je vous avais déjà donné lors du TP séquence 36. Et puis après, on fera, dans la dernière diapo, une mise en pratique de ce principe d'inertie et de sa contrapposée. On va commencer par analyser la photographie que je vous ai mise ici en introduction. Donc cette photographie, vous voyez exactement de quoi il est question, hein. Parachutiste. En chute après ouverture du parachute. Alors c'est une situation qui est relativement facilement descriptible par le principe d'inertie. Le principe d'inertie permet en fait de prévoir globalement la façon dont se déplace le parachutiste une fois son parachute ouvert. Donc vous allez voir que l'application du principe d'inertie que nous allons utiliser par la suite va nous permettre un petit peu de tirer des conclusions sur le mouvement du parachutiste, hein, sachant qu'ici, il est évidemment soumis à son poids, ça c'est la première des choses, mais il est aussi soumis aux forces de frottement, et les forces de frottement, ben, c'est justement le principe utilisé par le parachute pour ralentir la chute et éviter que ben, qu'on se fasse très très mal quand on tombe, tout simplement. Alors, on va passer du coup à la première notion de ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la compensation de force. Donc, le titre de cette première partie, ce sont donc les forces qui se compensent. On va simplement, avec un petit exemple, voir exactement de quoi il est question. Je vais vous présenter deux petites photos qui, de façon générale, vous indiquent exactement ce que c'est que des forces qui se compensent. Donc première photographie, c'est la suivante. Tout le monde voit de quoi il est question. Donc des boules de billard posées sur un tapis. On va essayer de faire une petite représentation de la situation. Schématique à côté. Donc vous avez d'un côté la photo, de l'autre vous avez un petit schéma que nous allons compléter en faisant apparaître donc les forces qui s'appliquent sur les billes. Alors bien évidemment, la première force qui va s'appliquer, c'est tout simplement en fait le poids de chacune de ces billes. Donc je vais en prendre une au hasard. Ici j'ai pris la verte dans mon exemple, mais évidemment les éléments sont identiques pour n'importe quelle boule de billard posée sur le tapis. Première chose, je représente ici par un vecteur, par une flèche, la force qui correspond ici au poids simplement de cette bille. Donc, il y a deux façons, hein, je vous le rappelle, de noter un vecteur poids, hein, suite au chapitre qui a été fait en début de semaine.
Donc je vais vous mettre en fait les deux façons de noter les choses, sachant que vous le verrez par la suite, hein, on ne se servira au final plus que de la deuxième. Ouais, il va falloir que je trouve une autre solution. Parce qu'on va avoir des petits soucis de taille au niveau de l'affichage. Alors, on va juste rajouter donc à côté de cette flèche la notation auteur-receveur qu'on utilise habituellement. Hein. Donc ça, ça ne change pas par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Je vais simplement choisir une taille ici suffisante pour que tout le monde puisse bien voir de quoi il est question. Voilà. Donc première façon de noter cette force, c'est de faire apparaître, vous le voyez ici, simplement donc la notation auteur-receveur classique. Donc force exercée par la boule sur la table. Mais on voit que c'est aussi en réalité cette force, la force exercée par la Terre sur la bille elle-même. Autrement dit, c'est le poids de cette bille. C'est pour ça du coup que j'ai fait apparaître ici les deux notations possibles. Hein. Donc la notation auteur-receveur et puis simplement donc le poids. Hein. Il faut savoir que cette force exercée par la boule sur la table, ce n'est rien de plus en fait que son poids. Et je vais rajouter ensuite la deuxième force qui s'applique dans cette situation, qui est ici une force de réaction, qui est la force que va exercer cette fois-ci en sens inverse. Hein. Donc rappelez-vous de la troisième loi de Newton qu'on a vu en cours la semaine dernière. Hein. Lorsque ici la boule exerce une force sur la table, et ben automatiquement, que fait la table? Et ben elle exerce sur cette boule une force qui a les caractéristiques suivantes. Hein. Donc même direction, donc cette direction ici c'est la verticale. Le sens qui est opposé, donc elle est évidemment vers le haut alors que le poids était vers le bas. Et puis vous avez aussi, comme autre caractéristique commune, l'intensité qui est la même. Ce qui veut dire en fait que les deux flèches que vous représentez, les deux vecteurs, possèdent ici simplement donc la même longueur. Il faut respecter ces deux indications ici. Hein. Donc cette force que j'ai représentée ici, c'est simplement donc la force exercée par la table sur la boule. C'est aussi hein, ce qu'on avait appelé... ce qu'on appelle généralement la force de réaction. Donc là aussi, je vais mettre les deux notations. La notation classique auteur-receveur. Et puis aussi, du coup, la notation sous la forme du vecteur R, qui est ici donc le vecteur réaction, réaction de la table, c'est-à-dire donc la force exercée par la table sur la boule. Donc je répète, hein, ce qui permet de représenter cette force exercée par la table sur la boule, c'est la troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques. Si la boule exerce une force sur la table exerce une force sur la boule, de même direction, de même intensité, mais de sens opposé. Ce qu'on a donc représenté ici. Alors là, vous êtes typiquement en face de forces qui se compensent. Alors des forces qui se compensent, ce sont des forces qui, lorsque vous les combinez vectoriellement, hein, je vais les décaler ici, hein, on le voit, aboutissent quand on les additionne au vecteur nul. Si je suis, comme vous le faites certainement en mathématiques, si je suis ici le chemin suivi par les deux vecteurs, eh ben, je peux faire apparaître que je pars d'ici, de cette situation. Je suis le premier vecteur, je suis le deuxième vecteur et je vois que je reviens du coup au point de départ. Ce qui signifie ici en fait que les deux forces, quand vous les additionnez, hein, donc le poids et la réaction, quand vous les additionnez, vous arrivez au vecteur nul. Donc ça, je vais vous le rajouter simplement à côté, hein, comme indication supplémentaire. Donc la somme vectorielle du poids et de la réaction, ça fait donc le vecteur nul. Ça peut donc s'écrire de la façon suivante. Cette relation que vous avez ici.
Voilà, je vais remettre mes vecteurs à leur place, là où ils étaient initialement. Et je conserve donc ici cette écriture qu'on mettra ensuite dans la synthèse tout à l'heure, hein. Des forces se compensent lorsque, on le voit, leur somme vectorielle est nulle. Alors ici, je le fais pour deux forces. Donc quand vous avez deux forces, c'est relativement facile, on le voit à côté, hein. Ces forces doivent avoir forcément même intensité. Donc ici, même longueur pour les vecteurs, hein. On peut mettre ces petites indications ici. Direction forcément identique. Et puis pour qu'il y ait compensation, il faut que les sens, eux, soient opposés l'un à l'autre. Si une force est vers le bas, l'autre sera forcément vers le haut. Mais il faut savoir que cette application de compensation est aussi valable quand vous avez plus que deux forces. Dans ce cas, le critère qu'on va privilégier, c'est celui-ci, hein. Quand vous allez additionner vectoriellement toutes ces forces, ça fera toujours le vecteur nul, hein. Rappelez-vous de l'histoire des chemins tout à l'heure, hein. Ça aboutit à ça, hein. Alors, voilà pour cette première partie. Je vais voir un petit peu sur le chat ce qui se dit. Donc, Roman, on a déjà vu ça. Alors, le principe d'inertie, oui. Les forces qui se compensent, de mémoire, non. Ouais, je vois que vous bavardez autant sur le chat qu'en plein cours, hein. Ça, vous n'avez pas perdu vos bonnes habitudes, hein. Bon, c'est plutôt bon signe, ça. Alors, est-ce que Florence est là? Bah, ça, j'en ai pas la moindre idée, hein. Vous chercherez dans les manifestations du chat. Alors, Zephyr, si une des forces est plus grande, bah, si une des forces est plus grande, c'est simple, il n'y a pas de compensation. Tout simplement. Ça veut dire que vous n'êtes pas confronté à une situation de force qui se compense. Donc évidemment, quand vous avez deux forces, il n'y a compensation que, on l'a dit avant, hein, que si vous avez des longueurs identiques pour les vecteurs, et puis des sens qui sont opposés. Hein. La direction étant elle, évidemment, aussi toujours la même. Bien, je vais passer à la diapo suivante. Hein. Partie B. Alors, j'avais encore une petite photo à vous présenter, mais je vous la présente simplement sans détailler finalement ce qui va être fait à ce sujet, hein. Vous allez voir qu'on va le refaire en exercice dans la foulée. Mais une simple situation. Alors, je vais retourner sous mon tableau. Je vais effacer tout ça. Donc, une autre situation qui est similaire à celle qu'on a vue à l'instant, avec la situation d'équilibre, hein, de la bille qui est posée sur la boule qui est posée sur la table. Bah vous retrouvez ici, hein, donc là c'est de l'haltérophilie, vous l'avez remarqué, hein, on retrouve un petit peu cette même situation de force qui se compense lorsqu'un haltérophile maintient sa barre soulevée. Ça dure généralement quelques secondes, hein, le temps que l'essai soit validé. Mais là vous avez donc aussi deux forces qui vont se compenser. Vous allez avoir donc le poids de la barre qui doit être compensé par la force exercée par l'athlète pour maintenir la barre en place. Et lorsque vous avez une barre qui ne bouge plus, c'est l'objectif ici qui est attendu, hein, pour valider l'essai, eh bien ça veut dire que vos forces se sont compensées. Ça veut dire en fait que l'athlète a exercé une force qui est similaire à celle du poids de la barre. C'est pour cette raison, on le voit, que plus vous allez charger votre barre avec des poids importants, eh bien plus évidemment la force à exercer pour maintenir cette barre en l'air immobile sera évidemment importante. Et c'est comme ça qu'on mesure l'efficacité et qu'on classe ensuite les athlètes, hein, en fonction donc du poids des barres qu'ils ont réussi à soulever. Voilà, donc j'insiste pas là-dessus parce qu'on va le refaire en exercice dans quelques instants. On va juste passer donc à la partie B. Alors cette partie B, ah, c'est pas tout à fait la partie B encore, hein. On va le faire dans une autre situation. Alors je mets une autre photo qui est similaire en fait à la précédente, hein, mais je vais me servir de celle-là parce que là j'ai la valeur exacte du poids de la barre qui a été soulevée. Et donc en fait je vous présente simplement ici une petite question
qu'on va résoudre directement ensemble, ensuite, en mettant en application ce qu'on a vu dans la toute première diapo. Alors, on va représenter voilà, je vais vous agrandir un petit peu tout ça. On va représenter les forces qui s'exercent ici sur la barre maintenue par l'haltérophile. Sachant donc, comme vous l'indique l'énoncé, que la masse est de 68 kg. Alors, je vais vous laisser réfléchir un petit peu à tout ça, et puis ensuite, je vous donne la résolution. Donc, sachez simplement qu'il y a d'abord un petit calcul à faire, et puis ensuite, il y aura à faire les dessins des vecteurs sur la photo elle-même. Pendant que je vous laisse y réfléchir, je repasse sur le chat pour voir comment ça bouge. Alors, Loan va aller aux toilettes, on l'autorise ou pas? Je sais pas. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'à distance ça va pas nous déranger. Hein. Donc, Loan, fais ce que tu veux, t'as le droit. Alors, je vais passer à la résolution pour pas trop traîner. Hein. Alors, première des choses, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, j'en ai parlé dans l'exemple hein, que je vous ai présenté. Alors, les forces qui vont se compenser ici, dans cette situation, qui vont permettre d'aboutir à l'équilibre de cette barre. La première, c'est le poids. Alors, je vous rappelle comment calculer un poids. Hein. On l'a vu en travaux pratiques et on l'a vu aussi dans le cours de lundi, hein, pour les gens qui l'ont revisionné derrière. Donc, la situation est la suivante. On calcule le poids ici de la barre, sachant que, attention, petit piège, hein, la masse de 68 kg, évidemment, ce n'est pas la masse de l'athlète elle-même, hein, mais de la barre, hein, vous l'avez compris. Hein. Donc ça, il faut évidemment le repérer ici. Hein. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'applique simplement la relation habituelle du poids, d'abord sous forme littérale, hein, donc la formule que vous avez ici. Le poids, c'est la masse fois la valeur de petit g. Ici, évidemment, ce que je calcule, c'est le poids de la barre. Et on m'indique évidemment que la masse correspondante est de 68 kg. Et donc, dans cette opération, je remplace le petit m par 68. Évidemment, le g, ça on l'a vu, hein, a une valeur sur Terre constante hein, qui vaut 9,81. Donc, cette constante, je l'utilise pour faire ici ce calcul. Si vous faites l'application numérique, vous aboutissez à la valeur donc de 6,7 x 10 exposant 2 newton. Je rappelle à tout le monde ici que vous avez pour obligation, quand vous allez faire ce calcul ici, de ne conserver que deux chiffres de précision, parce que vous le voyez, la masse utilisée n'a elle aussi que deux chiffres de précision. Et donc on est ici, on le voit, obligé de passer par une écriture en notation scientifique. Pas le choix. Alors, moi en attendant, je suis en train de chercher mon... Pour rien vous cacher, ça se voit pas, hein, mais je suis en train de chercher mon crayon optique parce que là, je fais tout à la souris. Ah bah, il est là. Oui, noir sur fond noir, ça se voit pas très bien. Ok. Donc, voilà pour le calcul du poids. Ensuite, on va représenter le poids sur le schéma précédent. C'est l'étape suivante. Donc là, pour faire ceci, il faut se rappeler simplement que le poids est une force de direction verticale vers le bas qui s'applique ici au niveau, alors c'est une force à distance hein, donc en réalité c'est la terre qui attire la barre et qui va la faire tomber hein, lorsque l'athlète se retire la barre tombe lourdement sur le sol
Conséquence donc de l'attraction terrestre, hein, et du poids de cette barre qui, sous son propre poids, donc chute et tombe sur le sol. Donc je vais ici simplement donc choisir le centre de ma barre comme étant le point d'application ici des différentes forces qui vont s'appliquer. Voilà, donc ça c'est le poids de la barre représenté ici par par la flèche blanche. Je fais apparaître évidemment à côté la notation, hein. N'oubliez jamais, hein, quand vous dessinez un vecteur, dites de quel type de vecteur il s'agit. Ici donc le vecteur poids. Voilà. Et je vais ensuite représenter de la même façon la force qu'exerce l'athlète sur la barre qui doit, on l'a vu tout à l'heure, compenser ce poids. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, quand il y a uniquement deux forces, la deuxième se représente de façon facile à la première parce que c'est simplement la force opposée. Donc là, la réaction, je vais la représenter en jaune. Je la dessine avec une flèche toujours verticale. Elle part du même endroit que le poids, le centre de la barre. Et je lui donne les caractéristiques suivantes. Donc, direction identique, ici c'est vertical. Les sens opposés, hein, le poids était vers le bas, la réaction, elle, sera évidemment vers le haut. Et ensuite, dernier élément, dernière caractéristique, la longueur qui doit être la même. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je fais figurer une échelle. Alors, je vais vous la rajouter simplement à côté. La voici, cette échelle, qui indique simplement que la distance que vous avez ici entre les deux petits taquets que j'ai représentés, je vais vous repasser par-dessus. Donc la distance que vous avez là, et bien cette distance-là correspond, on le voit ici, à peu près 100 newtons. Et comme les forces ici, réaction comme poids, font autour de 670 newtons, bah il faut simplement ici représenter des forces qui ont 6,7 fois la longueur de cette échelle. Donc en fait, on peut, vous le voyez comme d'habitude, soit fixer d'abord l'échelle, soit dessiner les vecteurs et ensuite prendre, diviser par 6,7 leur longueur pour donner en fait cette échelle-là. Voici mon échelle. Ouais, elle est un petit peu grande, hein. On va la rétrécir un peu comme ça, voilà. Et donc cette échelle, hein, on le voit, elle permet, même quand on ne connaît pas la valeur, une personne qui vous montrait ce schéma, hein, le fait de ne pas connaître la valeur du poids, hein, bah on peut ici la retrouver graphiquement, hein, grâce à l'échelle qui a été utilisée. Voilà, donc ça c'est la mise en pratique directe donc de ce qu'on a vu à l'instant, hein, de force qui se compense. Hein. Donc je rappelle, quand il y en a deux, c'est facile, même direction, sens opposé, même longueur. Alors je repasse sur le chat pour voir ce qui se passe. Agrandissez l'échelle s'il vous plaît. Bah, je peux pas, Zéphir, si j'agrandis l'échelle, je vais aussi être obligé d'agrandir les vecteurs. Et dans ce cas-là, si j'agrandis les vecteurs, ils vont sortir de ma page. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas dessiner un truc grand et petit en même temps sur un même schéma. Hein. Donc la difficulté, elle est là. Donc il faudra laisser une échelle de petite taille, tout simplement. Hein. Mais vous avez peut-être du mal à lire la valeur indiquée en face. Hein. C'est 10 exposant 2 newtons, hein. Autrement dit 100 newtons. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Alors, à quoi servira Discord? Bah, Discord, en fait, je l'ai mis en place pour qu'on puisse faire un chat à tout moment. Normalement, on a un système de chat qui existe sous Moodle. Mais comme Moodle est inaccessible la moitié du temps,
J'ai préféré mettre en place un Discord. Vous allez voir que les séquences qu'on fera la semaine prochaine ne seront pas toutes des séquences de live vidéo. Il y en aura encore une, il y aura encore un live vidéo, mais on fera des choses directement sur Discord. Donc pour l'instant, vous vous êtes inscrit, hein. Donc mettez le lien de côté, hein. Et dès la semaine prochaine, hein, quand je vous enverrai ce week-end le planning pour la semaine qui vient, on aura des rendez-vous Discord, hein. Donc à ce moment-là, on discutera directement via le chat, hein, et plus sous forme vocale. On l'a fait tout à l'heure avec les premières, ça marche pas mal, hein, notamment quand on fait des TP ou des exercices, hein, parce qu'on fera un TP la semaine prochaine. Et donc passer par Discord, ça marche pas trop mal, quoi. Oui, je suis d'accord avec Gaëtan, Discord c'est effectivement mieux que le chat de YouTube et c'est aussi mieux que le chat de Moodle. Donc on restera sur Discord pour les chats dès la semaine prochaine. Après pour le reste, oui Roman, les cours seront toujours sur Moodle, hein, je vais les remettre, hein, mais je ne peux pas les mettre durant la journée parce que durant la journée les accès ne fonctionnent pas chez moi. En revanche, le soir après 11h, j'arrive à les mettre. Donc chaque soir, je dépose les cours. Donc le cours qu'on fait ici, vous le retrouverez aussi directement sur Moodle dès ce soir. Alors Zephyr, pour avoir l'accès à Discord, il faut que tu ailles sur... il faut aller sur... Je vous ai envoyé un courriel hier sur MBN, hein, avec le lien vers le Discord. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, d'installer Discord, hein, c'est juste un lien internet, hein. Parfois il vous demandera de l'installer, mais ce n'est pas du tout nécessaire à partir du moment où vous n'êtes que des utilisateurs. Allez simplement sur la page Discord et puis vous aurez à vous authentifier. J'ai vu que certains l'ont déjà fait, hein. Bon nombre d'entre vous l'ont déjà fait, hein. Et donc on verra ça donc à partir de la semaine prochaine, hein, pour les discussions sur Discord. Je vais avancer un petit peu, hein. On passe à la diapo suivante. Donc l'énoncé du principe d'inertie, je vous l'avais donné la semaine dernière en TP, cet énoncé du principe d'inertie. Enfin, j'ai dit la semaine dernière, c'est pas la semaine dernière, c'était à 15 jours, je crois, quand on a fait le TP sur le sujet. Alors, ce principe d'inertie, je vous le redonne tel qu'il était donné. On va analyser simplement son énoncé, hein. Alors, le voici, ce principe d'inertie. Je vais vous l'agrandir un petit peu là aussi. Alors, je ne vous ai pas mis le titre qui est le suivant, hein. Donc, c'est la partie B, hein. On s'intéresse donc à l'énoncé du principe d'inertie. Et cet énoncé, donc, vous l'avez ici, dans la boîte qui suit. Alors, on va le lire attentivement ensemble, hein. Vous aurez tout le loisir par la suite de le recopier, hein. Donc, l'énoncé est relativement rigoureux, hein. Il faut l'interpréter correctement et comprendre évidemment chacun des éléments qui est mentionné dans ce principe. Dans un premier temps, on fait apparaître l'idée que le principe d'inertie ne s'applique que dans un référentiel qui est le référentiel terrestre et pas dans les autres référentiels. Donc, il faudra à chaque fois, dès qu'on mettra en pratique ce principe, hein, vérifier qu'on est bien dans ce référentiel terrestre. Sinon, ça risque de ne pas marcher. Ensuite, deuxième partie, on vous précise que tout système, donc je vous rappelle que le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement, hein, soumis à des forces qui se compensent. On vient de voir à l'instant ce que c'était donc des forces qui se compensaient. Donc tout système qui est soumis à des forces qui se compensent sera, alors on vous le dit, soit première situation au repos. Alors c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure avec les exemples qu'on a vus jusque-là. L'exemple de la boule de billard posée sur le tapis. Le système, c'est la boule de billard, elle est bien au repos au moment où la photo a été prise. C'est le cas aussi de la barre de l'haltérophile, qui elle aussi, cette barre d'haltérophile, est au repos au moment où les forces se compensent. Hein. Je vous rappelle que pour l'haltérophile, les forces se compensent à partir du moment où la barre est maintenue en équilibre. Donc ça, c'est la première situation. Le système peut être au repos. Mais, chose importante, le système peut aussi être en MRU.
Ça, c'est la deuxième possibilité qu'on va avoir en exercice tout à l'heure, hein. Alors, je vous rappelle que le MRU, hein, donc je sais que la plupart d'entre vous, normalement, sont supposés savoir ce que c'est que le MRU, hein. Je vais vous le remettre en dessous, hein, parce que le terme va être réutilisé à plusieurs reprises, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle donc le mouvement rectiligne et uniforme. Donc je vous le remets une fois pour toutes ici, hein. Les gens qui savent de quoi il est question, c'est pas la peine de le refaire figurer, hein. Mais sachez que l'abréviation MRU, hein, qu'on utilise régulièrement en physique, hein, c'est donc l'abréviation de mouvement rectiligne et uniforme, hein. Donc je vous rappelle la signification des deux adjectifs ici. Alors rectiligne, ça signifie donc que le mouvement s'effectue selon une trajectoire qui est une ligne droite, vu en TP et en cours. Dans les semaines précédentes, et uniforme, ça veut simplement dire en fait que la valeur de la vitesse est une constante. Vous aviez été amené à mesurer et calculer des vitesses, hein, notamment sur des relevés, des tables à coussins d'air ou sur des vidéos de chute. Et bien, un mouvement était qualifié d'uniforme, hein, lorsque la valeur de la vitesse ne changeait pas au cours du temps. Voilà pour la première chose. Ensuite, ce principe admet une réciproque. Alors cette réciproque, là aussi on va la détailler, hein. Elle dit simplement en fait ce qu'on appelle la réciproque, hein. Moi j'appelle ça communément l'inverse, hein, mais c'est pas tout à fait juste, hein, on appelle ça une réciproque. Que dit la réciproque? Elle dit simplement que si au départ votre système est au repos ou en MRU, ça voudra donc forcément dire qu'il est aussi soumis à des forces qui se compensent. Donc en fait, là, vous voyez qu'entre ces deux notions, je pourrais mettre une double flèche. Hein. Parce que l'un implique l'autre, ça se lit dans ce sens-là, mais ça se lit aussi dans l'autre sens. Hein. L'autre implique l'un. Et c'est ce qu'on appelle la réciproque du principe d'inertie. Hein. Dans la pratique, on développe pas, hein, on appliquera simplement ce principe dans les deux sens. Lorsque les forces se compensent, ça veut dire que le système est au repos en MRU. Et inversement, si on sait déjà au départ que le système est au repos ou en MRU, ça voudra donc aussi dire, par conséquent, que ce système est soumis à des forces qui se compensent. Voilà pour ce principe d'inertie. Vous allez voir que le restant en fait, de la séquence va consister à mettre en pratique maintenant ce principe. Je vais vous mettre maintenant en dessous la contraposée de ce principe d'inertie. Donc cette contraposée, je vous la projette, et après on l'analyse. Vous allez voir qu'elle n'apporte pas véritablement d'éléments nouveaux. C'est simplement en fait une explication sur ce qui va se passer lorsque les forces appliquées ne se compensent plus. Donc la contraposée, c'est ça. C'est simplement analyser l'autre situation. Donc vous voyez que l'énoncé est similaire en fait à celui du principe d'inertie au départ. Toujours on se place dans le référentiel terrestre, ça n'a pas changé. Mais cette fois-ci, plutôt que de s'intéresser à un système qui est soumis à des forces qui se compensent, je m'intéresse à l'autre possibilité, celle d'un système soumis à des forces qui ne se compensent plus cette fois-ci. Eh bien, c'est extrêmement simple. Si les forces ne se compensent plus, eh bien, ça veut dire que on ne peut plus avoir ni de repos, ni de MRU. Autrement dit, ni l'un, ni l'autre. On aura forcément une autre situation, un autre mouvement qui ne sera pas, donc, du repos, qui ne sera pas non plus un mouvement rectiligne et uniforme. Ça peut être n'importe quelle autre situation, mais on le voit aucune de ces deux-là. Là aussi, la réciproque, évidemment, s'applique. Ça veut dire que si vous êtes confronté à un système, je vais changer de couleur, à un système qui, au départ, à l'observation, n'est pas au repos et n'est pas en MRU, ça voudra donc forcément dire qu'il est soumis à des forces qui ne se compensent pas. Vous voyez donc, en fait, que la contraposée du principe d'inertie, hein, n'apporte rien de plus, hein, si ce n'est d'écrire ce qui se passe lorsque le principe d'inertie ne s'applique pas. Hein. Voilà, je vais repasser sur le chat pour voir si tout va bien.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions, mais visiblement pas des questions pour moi. Toujours aussi indiscipliné, hein. Même sur les chats, vous êtes bruyant, c'est incroyable, hein. Un chat, ça fait pas de bruit et vous êtes. Oui, Zéphyr a raison. Non, c'est pas Zéphyr, c'est Sarah qui a raison. Taisez-vous, je veux écouter le cours. Bah oui, voilà. Alors, Discord, Lali, hein, c'est juste pour discuter. Oui, mais on pourra en faire un petit peu plus, en réalité. On discutera sur Discord, on fera le TP donc en début de semaine prochaine. Et vous verrez que quand on fera un TP, je vous donnerai tous les documents du TP. Vous le ferez ce TP en direct. Et vous pourrez poser toutes vos questions sur Discord directement. Et moi, je vous répondrai directement comme je le fais habituellement en TP quand je passe dans la salle et que je viens voir ce que vous faites. Hein. Et ben ça va être la même chose. Hein. Simplement, les TP se réduiront ici à des études documentaires, hein, ou à d'éventuels pointages avec les logiciels que vous avez déjà sur votre PC. Hein. Alors, il existe une réciproque à une contraposée. Oui, Gaëtan, absolument. Hein. On l'a vu dans l'énoncé. Hein. La contraposée, tout comme le principe d'inertie, hein, possède une réciproque. Oui. C'est pas ce que Madame Antoine m'a appris. Ah, alors ça, faudra qu'on accorde nos violons sur le sujet. Hein. Donc ça, Madame Antoine, ça doit être pour les mathématiques, oui, je suppose. Ouais. Ben, en fait, au sein de la contraposée, il y a une réciproque. Il y a pas de la contraposée n'est pas la réciproque du principe d'inertie. Je pense que c'est ça qu'on a dû te dire. En revanche, quand le principe d'inertie possède une réciproque, sa contraposée en possède une aussi. Alors, Elena, tu as une question. Comment on pourra faire le TP vu qu'on n'a pas les instruments? Bah oui, justement, alors on ne fera pas un TP habituel, hein, vous n'aurez pas de manipulation à faire, hein, c'est clair que c'est pas possible. Mais je vous mettrai à disposition des éléments numériques qui vous permettront quand même de faire des choses. Donc on fera surtout de l'exploitation, beaucoup moins de manipulation, c'est clair. Ok, bon, on va passer du coup maintenant à la mise en pratique, hein, dernière diapo, hein, mise en pratique de ce principe d'inertie. On efface tout ça. Et donc on passe à la partie C, utilisation du principe d'inertie. Alors, je vous projette deux petites photos. Donc la première, c'est celle toujours d'un parachutiste, mais cette fois-ci, vous le voyez, un parachutiste qui n'a pas encore ouvert son parachute. Autrement dit, on le qualifie de parachutiste en chute libre. La chute libre, ça veut dire que il n'est soumis qu'à son poids lors de la chute. Alors c'est pas vraiment une véritable chute libre ici parce que vous voyez que ce parachutiste en fait volontairement pour garder un petit peu de stabilité d'équilibre étend les bras et les jambes aussi hein. Donc en fait il joue aussi sur les frottements de l'air, il subit des frottements de l'air mais on va considérer nous que ces frottements de l'air sont ici négligeables vis-à-vis du poids pour simplifier l'étude hein. Donc tant que le parachute n'est pas ouvert on considérera qu'il n'est soumis en fait qu'à son propre poids et donc il tombe sous l'effet de son poids. La deuxième photographie que je vous propose, c'est donc celle-ci. Alors, ça correspond à une discipline sportive que vous connaissez certainement aussi, hein, qui s'appelle le curling, qui consiste, vous le savez, à faire glisser, on le voit, ce qu'on appelle la pierre. Donc la pierre, évidemment, c'est cet objet qui est représenté ici sur la photographie, hein. Donc cette pierre glisse sur de la glace et l'objectif c'est de faire en sorte que cette pierre s'arrête dans une cible hein, qu'on appelle communément la maison, entre guillemets, hein, c'est le terme qu'utilisent les curleurs. Hein. Avec, on le voit, possibilité pour les autres membres de l'équipe, hein, donc vous avez un des membres de l'équipe qui lance la pierre, et on le voit, vous avez d'autres membres de l'équipe qui se servent de petits balais qui vont en fait gratter la glace
et en grattant la glace, vous allez éliminer toute forme de force de frottement et vous allez permettre en fait à cette pierre d'avancer à vitesse constante. Et dès que vous allez vous arrêter de gratter le sol, et ben automatiquement la pierre va se mettre à ralentir. Et évidemment, pour être fort à ce genre de sport, il faut évidemment une bonne, déjà au départ, une bonne vitesse donnée, une bonne direction donnée par le lanceur. Et puis il faut après aussi que les autres membres de l'équipe hein, qui utilisent les balais, et ben, utilisent ces balais à bon escient. Hein, parce que s'ils l'utilisent trop de façon trop longue, il y a de fortes chances que la pierre sorte, aille plus loin en fait que s'arrêter dans la maison. Les questions que je vous pose pour la résolution de tout ça sont les suivantes. On va les traiter l'une après l'autre. Donc la première, on vous demande de faire un bilan des forces appliquées aux deux systèmes. C'est la question que vous avez là. Je vais vous mettre aussi directement les deux questions suivantes. C'est aidé. J'ai fait des petites modifications, vous l'avez vu, hein, j'ai fait sauter une question au début du cours. Hein. Donc il y a, la numérotation des questions n'est pas tout à fait la même que celle que vous avez sur, sur le cours numérique. Hein. Mais ça, c'est pas très grave, hein, vous changez simplement les numéros. Hein. Donc la question C, elle s'intéresse je vais le faire apparaître ici, hein. Ça n'apparaît pas dans la question. S'intéresse à la situation du curling que vous avez ici. On va appliquer le principe d'inertie pour identifier la relation entre les forces appliquées. Et la question D, elle, ça apparaît dans la question, hein, s'intéressera à la première situation, celle du parachutiste. Alors, on va commencer par le bilan des forces appliquées aux deux systèmes. Alors, je vais être obligé de retirer mes questions parce que je vais manquer de place pour garder à la fois à l'écran. Je pourrais traiter peut-être les photos les unes après les autres. Hein. Je vais enlever la photo du curling. Je vais garder juste celle pour l'instant de la chute libre. Et je vais vous faire apparaître du coup le bilan des forces qu'on obtient. Ça va me permettre de faire un rappel sur ce que c'est qu'un bilan des forces. Donc ça, ce sont des choses qu'on avait déjà faites en TP. Donc là, on va le revoir en exercice. Alors, le bilan des forces, vous le voyez, s'effectue en trois étapes qu'il faut absolument effectuer toutes. Faut pas, on ne peut pas se permettre de sauter une des étapes lors d'un bilan des forces, hein, parce que forcément, à un moment donné, ça manquera d'éléments pour finaliser la résolution. Première opération, je cite le système. Alors ici, c'est extrêmement simple. Le système nous est... regarde, là, je vous ai mis l'exemple du curling. Ça marche pas, ça. Il va falloir que je vous... ça va pas. Je vais enlever la photo et je vais garder celle du curling, du coup, parce que la question qui suivra, elle va s'intéresser au curling. Donc simplement, le bilan des forces que je vous présente ici, hein, c'est celui de cette photographie. Donc vous avez dans le cours numérique, hein, je vous ai mis des petites boîtes en dessous des photos. Hein. Donc là, remplissez d'abord la boîte pour la photo curling. Hein. Donc, je disais, le système, donc, la pierre. Donc là, pas de difficulté. Le référentiel, bon, vous voyez qu'on n'a pas le choix ici. Hein. Si on veut appliquer le principe d'inertie, il faut se mettre dans le référentiel terrestre. Mais vous verrez en fait que tous les exemples qu'on verra à l'avenir prendront le référentiel terrestre comme outil de référence. Je vous rappelle que le référentiel terrestre, c'est un simple objet qui est immobile ici par rapport à la glace. Là, si vous avez par exemple un petit panneau de score à côté, sur le bord de la glace, ben, ça peut servir ici de référentiel terrestre. Parce que ce panneau est immobile par rapport à la glace elle-même. Troisième élément, c'est l'inventaire des forces.
L'inventaire des forces consiste ici simplement à citer les forces qui vont s'appliquer sur la pierre. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure dans le cas de la boule de billard posée sur le sol. Vous avez deux forces qui s'appliquent. La première, c'est le poids. La deuxième, c'est la réaction du sol. Voilà pour ce bilan des forces. Je vais directement traiter la question C maintenant. Je vais appliquer le principe d'inertie pour identifier la relation entre les forces appliquées. Donc je vais retirer l'énoncé de ma question B. Et je réponds directement à la question C. Donc, je vous rappelle la situation. Lorsque les membres de l'équipe grattent fortement la glace avec les balais qu'ils ont, on peut observer que ça provoque un déplacement de la pierre selon un MRU. La pierre avance en ligne droite et avec une vitesse qui reste constante. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, hein, le fait de nettoyer, de gratter la glace, permet de la faire fondre en surface. Ça crée une petite pellicule d'eau sur laquelle la pierre avance. On peut considérer ça quasiment sans frottement. Et donc, dans cette situation, comme on observe un MRU, comme on se rend compte que la pierre avance en ligne droite à vitesse constante, eh bien ça veut donc forcément dire, application du principe d'inertie, que les forces se compensent. Réponse à la question C qui était posée. Quelle relation y a-t-il entre les forces qui s'appliquent ici sur cette pierre? Eh bien, d'après le principe d'inertie, si la pierre est en MRU dans le référentiel terrestre, ce qui est le cas ici, eh bien, ça veut donc dire que les forces se compensent. Autrement dit, si je remets ici la conséquence directe sur ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure dans le cas de la boule de billard posée sur la table, ça veut simplement dire ici que, au niveau des forces, elles vont se compenser, autrement dit, leur somme vectorielle va donc aboutir au vecteur nul. Je vous écris la formule et je vous la projette directement à côté. Ça nous donne la chose suivante. Donc voilà la relation qu'on peut tirer du coup de l'application du principe d'inertie, c'est la suivante. Ça veut donc dire que la réaction représentée par le vecteur R ici et le poids, ce sont des forces qui se compensent. Autrement dit, leur somme vectorielle fait le vecteur nul. Autrement dit, ça, je vais le mettre en bas en conclusion supplémentaire. Le poids et la réaction ont donc même direction, même intensité, mais des sens opposés. Donc même direction, même intensité, mais des sens qui sont opposés. Voilà donc les conclusions qu'on peut tirer ici de cette situation par application du principe d'inertie. Avant de traiter la dernière question, je retourne sur le chat.
Alors, Célia, on sera obligé de rendre les TP ou ça sera comme en cours, juste si on veut? Ah, il faudra que tout le monde dépose sur Moodle, là, en espérant que Moodle soit rétabli d'ici là, hein. Donc, vous allez voir que je n'ai pas été en mesure de vous mettre des notes comme on le fait habituellement, hein. Donc, je vais vous mettre en ligne ce soir les notes des TP que vous avez rendues la semaine dernière. En revanche, je pourrais pas vous mettre d'autres notes en cours de... à distance, ça ne marchera pas. En revanche, je vous mettrai à la fin de tout ce cycle une note de participation, c'est clair. Comme ça, les gens qui participent au live, les gens qui posent des questions, les gens qui font les exercices sur Moodle, qui déposent, qui vont sur Discord, ben, ces gens-là, je leur mettrai une bonne note. Et puis les gens qu'on voit jamais, ben, ces gens-là, je leur mettrai une mauvaise note. C'est extrêmement simple, hein. Alors, Elena, le poids et la réaction ont toujours la même direction? Alors, dans une situation comme celle-là, oui. Lorsqu'on vous dit qu'il y a un MRU, ou lorsqu'on vous dit que l'objet ne bouge pas, qu'il est au repos, automatiquement, ils ont toujours la même direction. Ça sera toujours la verticale, d'ailleurs. Alors, Loan, il faut écrire ça où, monsieur? Écrire ça où? Ben, dans ton cours. Je ne sais pas si tu as un cours sous forme papier ou sous forme numérique. Si c'est sous forme numérique, tu rajoutes une petite boîte, hein. C'est la réponse à la question C, hein, que je traite ici, hein. Ouais, réponse à la question C. Ok, ben je passe à la dernière question du coup. Et on va pouvoir s'arrêter là-dessus du coup. Donc je vais reprendre l'exemple, la photographie du parachutiste qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais tout effacer carrément, hein. Je reprends mon parachutiste. Je vais dans un premier temps, comme le demandait la question A, faire le bilan des forces pour le parachutiste, hein. Donc on fait comme tout à l'heure, hein, en trois étapes. Système, référentiel, inventaire des forces. Ça nous donne donc la chose suivante. Donc pour le système, aucune difficulté, hein. C'est ici le parachutiste, hein. C'est le seul objet qui soit présent sur la photographie. Le référentiel, on prend le référentiel terrestre. Autrement dit, on se place, on fait comme si on se plaçait au sol et qu'on observait le parachutiste tomber, hein. Ici, ce n'est pas du tout le référentiel qui a été utilisé pour photographier le parachutiste ou pour filmer son mouvement. Quand vous voyez tomber un parachutiste comme ça, généralement, il vous semble immobile, hein, sur la vidéo. Ça, c'est simplement lié au fait qu'il y a un autre parachutiste en face de lui qui tombe exactement comme lui et qui, du coup, le filme avec sa caméra. Mais dans ce cas-là, on n'est plus dans le référentiel terrestre, hein. On est dans le référentiel, en fait, du deuxième parachutiste. Et donc dans ce cas-là, votre parachutiste, on a l'impression qu'il est immobile. En fait, il est immobile, mais dans le référentiel du parachutiste, de la caméra, en fait, du deuxième parachutiste. Mais il n'est pas immobile dans le référentiel terrestre, hein. Si vous êtes au sol et que vous observez avec un télescope ou une longue vue votre ami qui saute en parachute, hein, vous allez le voir tomber, hein. Vous allez voir son mouvement s'effectuer, hein. Ensuite, l'inventaire des forces. On a dit tout à l'heure, c'est une chute libre, hein. Qui dit chute libre, le terme libre signifie en fait que l'objet n'est soumis qu'à son poids, ou qu'on considère, pour des questions de simplification, qu'il n'est soumis qu'à son poids, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la pratique, ici, ce parachutiste est soumis aussi à des forces de frottement, mais qui sont beaucoup plus faibles que le poids. Et tout peut se passer ici, comme si on ne considérait finalement que le poids. Que le poids, c'est ce qu'on va faire nous, en fait, pour simplifier notre étude. Donc voilà pour le bilan des forces, hein, toujours en trois étapes, système référentiel, inventaire des forces. Et puis je réponds ensuite à la question D. Je vais vous la remettre, cette question D. Il fallait donc appliquer la contrapposée du principe d'inertie pour décrire le mouvement du parachutiste en chute libre. Alors, première chose. Pourquoi nous parle-t-on ici de contraposé du principe d'inertie? Faut bien faire le lien avec le bilan des forces, hein. C'est pour cette raison que faire le bilan des forces est ici essentiel, hein. On fait la contraposée pour la simple et bonne raison ici qu'il n'y a qu'une seule force qui s'applique sur le système. Ce qui veut donc dire qu'en réalité, il n'y a pas de compensation
Parce que pour qu'il puisse y avoir des compensations, il faut au moins deux forces. Ici, comme il n'y a qu'une seule force qui s'applique, il n'y a pas de compensation, et donc on n'applique pas le principe d'inertie, mais sa contraposée. Donc on applique la contraposée du principe d'inertie pour décrire le mouvement du parachutiste en chute libre. Alors, on relit bien ce que dit la contraposée. Dans le cas où le système n'est pas soumis à des forces qui se compensent, c'est le cas ici, parce que le système est soumis qu'à son poids, à une seule force, donc il n'y a pas de compensation. Ça voudra donc dire que ce système ne peut être ni au repos, donc le parachutiste ne peut pas être immobile dans le référentiel terrestre, ça on s'en doute, mais en fait la contraposée nous dit ça. Et en plus, elle nous dit qu'il ne peut pas non plus tomber à vitesse constante. Et donc ça va être notre réponse ici. Je vous la projette. Cette réponse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit simplement donc que pas de compensation de force parce que, hein, je vous le rappelle, hein, l'idée elle est là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compensation de force? Parce que, je vous le marque à côté, hein, la chute est libre. Chute est libre, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'y a que le poids qui s'applique sur le système. Ce que nous avions mentionné ici dans le bilan qu'on a fait au-dessus. Et donc, comme il n'y a qu'une seule force qui s'applique, pas de compensation possible. Et donc, la conséquence, elle est toute simple, elle découle directement de la contraposée. Hein. Donc, la chute libre ne correspondra donc pas à un MRU. Ça veut dire que le parachutiste ne pourra pas tomber ici à vitesse constante. Dans la pratique, hein, on le sait, hein, la vitesse va augmenter. Il sera, le parachutiste, sans ce qu'on appelle en physique un MRA, un mouvement rectiligne accéléré. Mais pour faire ça, il faut creuser un peu plus ce sujet, ce que vous ferez en première et en terminale si vous faites la spécialité physique-chimie. Pour la seconde, on s'arrête simplement à ça. Hein. La contraposée nous dit donc qu'il n'y a pas possibilité de chuter à vitesse constante. Voilà, c'est la seule conclusion ici qu'on peut tirer donc de l'application de cette contraposée. Voilà, je vais vous projeter le bilan, la synthèse, et ensuite je vais en profiter pour aller jeter un petit coup d'œil dans le chat pour voir ce que ça donne tout ça. Donc une synthèse en trois parties. La première qui vous décrit, qui vous rappelle ce que c'est en fait que deux forces qui se compensent. La deuxième qui précise que l'application du principe d'inertie et de sa contraposée permettent, on le voit, de faire des liens entre les forces qui s'appliquent sur un système et le mouvement de ce système. Et puis le troisième point que nous avions vu en travaux pratiques, qui n'a pas été rappelé ici en cours, qu'on a vu en TP, qu'on reverra en exercice la semaine prochaine. Lorsque le vecteur vitesse varie, bah, il se trouve que la variation de ce vecteur vitesse, elle a exactement même direction et même sens que la force qui s'applique à ce système. C'était ce que vous aviez observé dans la vidéo de chute libre de la balle de tennis, que vous aviez analysée il y a 15 jours en travaux pratiques. J'ai pour cette raison mis un lien vers la séquence 33 qui correspondait donc à ce qui avait été fait à ce moment-là. J'ai mis séquence 33, mais on peut aussi mettre séquence 36. Hein. La séquence 36 qu'on a faite, hein. Je le rajoute en bas ici. Hein. On peut aussi la lier ici, hein, parce que cette séquence 36... Hein, utilise aussi cette idée hein, de relier, on le voit, la variation du vecteur vitesse avec la force qui s'applique au système. Ici, dans notre cas, hein, c'était le poids. Voilà, je repasse dans le chat pour voir s'il y a des questions. Alors, Lisa Lou, si on observe le parachutiste avec un référentiel terrestre, son système est accéléré. Et donc c'est un MRA, si j'ai bien compris. Alors attention, le système, c'est le parachutiste. Hein. Donc on ne parle pas de son système, on parle du parachutiste lui-même, qui est le système. Eh bien ce système, alors oui, il est en MRA. En fait, la contraposée ne nous dit pas ça. La contraposée nous dit simplement en réalité qu'il n'est pas en MRU. Il n'est pas en mouvement rectiligne et uniforme.
Dans la pratique, si on fait une étude un petit peu plus poussée de la chute, on verra que la vitesse du parachutiste évolue de façon constante. Ça veut dire en fait que cette vitesse, elle augmente à chaque seconde d'une même valeur. C'est ça qui est typique d'un MRA. Mouvement rectiligne accéléré. Pour répondre à Roman et à Monster Kid. Voilà. Alors Gaëtan, intensité égale norme, oui, bien sûr. Intensité ici pour les forces généralement ou pour les vitesses. Et puis norme pour les vecteurs. Mais c'est la même chose. Alors Roman, ça lag. Ouais, je pense pas qu'il y a eu des coupures. Hein. Vous le voyez, hein, mes vidéos sont pas d'une très grande qualité parce que si j'augmente la qualité de la vidéo, je vais avoir des coupures au niveau de la diffusion. Donc ça, j'évite de le faire parce que sinon, la vidéo sera hachée au niveau du live. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre une résolution relativement faible, hein, d'où la qualité un peu moyenne de la vidéo, mais au moins ça permet de diffuser en direct sans coupure. Alors, qu'est-ce qui reste comme question? Ouais, je crois que j'ai à peu près répondu à tout ce qui a été posé, hein. En tout cas tout ce que j'ai vu. Faut pas hésiter à mettre dans les commentaires en bas, hein, après le live, vos questions, parce que je répondrai aussi, hein. Ou alors directement sur Discord, hein. Vous l'avez compris, hein, Moodle, on va l'utiliser de façon homéopathique, hein, le moins possible, parce qu'on a des problèmes de connexion qui visiblement ne vont pas se résoudre rapidement. On verra la semaine prochaine si les choses évoluent en ce sens. Donc on reste sur YouTube et sur Discord. Malgré tout, hein, à partir de 11h le soir, la connexion Moodle se fait bien. Donc moi, je mets chaque soir à jour les cours Moodle. Hein. Donc je vais vous mettre ce soir sur Moodle, évidemment, ce cours. Je vous mettrai aussi le support de cours pour la SNT, le cours que vous avez demain. Hein. Je vous rappelle que demain, à 13h, vous êtes conviés avec les secondins à un live sur le cours de SNT, sur la nouvelle partie qu'on va commencer, sur le GPS et la géolocalisation. Hein. Donc ça, on le fera demain. Je suis en train de vous préparer le support de cours. Et alors, je vous le donnerai demain dans la description de la vidéo, hein, comme je l'ai fait aujourd'hui. Je vous le mettrai aussi sur Discord. Hein. Mais je vous le mettrai aussi ce soir sur Moodle, comme ça les gens qui se connectent encore assez tard peuvent le récupérer ou bien demain matin si vous voulez tenter le coup. Hein. Mais de toute façon, je vous le mettrai sur Discord avec un autre lien qui n'est pas un lien Moodle, hein, qui vous permettra du coup de télécharger sans souci ce support de cours. J'en profite pour vous préciser, mais je vous le redirai demain, qu'on fera aussi la semaine prochaine un TP. Un TP de SNT, on aura deux séquences de SNT la semaine prochaine, un deuxième cours et puis aussi un TP. Je suis en train de finaliser le planning, je vous l'enverrai certainement demain ou samedi, on verra, hein, sachant que samedi, dimanche, on fait repos et on reprend les cours donc lundi. Hein. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la SNT à 13h, hein, dans les mêmes conditions qu'ici. Hein. Donc je vais vous mettre la vidéo en ligne avec le live. Prévu pour la séquence de 13h demain. Voilà, je vais couper la retransmission en direct. Hein. Je vous rappelle que vous avez moyen de retrouver ce cours intégralement sur ma chaîne YouTube dès la fin de la diffusion. Hein. Alors on se donne rendez-vous à demain.